سلام الشباب دونك هذا غادي يكون اخر فيديو آه غادي نحطو في يوتيوب دونك غادي نخدم به الشابيتر 3 ديال الميكانيك اللي بغا لا سويت اللي بغى الشابيتر 4 و5 اكسترا راه عندنا كاينين 8 ديال لي شابيتر اللي بغى لا سويت يتواصل معايا في النمره راه خل... تخليها في الديسكريبسيون في واتساب آه اللي بغاني نزيدو في الجروب تاع التليغرام آه تتخلص البري ديال الجروب و وكتدخل كتستافد عامين ديال البريبا ديالك Alors d'abord je vous le théorème de l'énergie mécanique mais le théorème de l'énergie cinétique. Donc on pose la des forces extérieures appliquées sur le point matériel en des forces conservatives plus des forces non conservatives. Donc on le point On va faire le les forces conservatives, le travail de l'homme ne dépend pas du chemin suivi. Plus les forces non conservatives, le travail de l'homme dépend du chemin suivi. Donc avec FC, c'est la résultante, même si il ne me dirige la somme. Donc avec la somme, elle est intégrée. On peut faire, la somme, il y a les FC, on a la dernière fois de la phrase. FC, c'est la résultante des forces conservatives. Et FNC, c'est la résultante des forces non conservatives. Alors, théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce Je vais vous le théorème de l'énergie cinétique. Il y a la variation élémentaire de l'énergie cinétique. Donc, il y a la forme infinitisimale, la forme intégrale. C'est le travail d'ielga les forces extérieures appliquées sur le point n. Quand on a la forme intégrale, il y a le fait que quand delta Uc, c'est le travail d'iel la somme des forces extérieures. D'accord? Pas de problème. Soit, je vous l'ai dit, ou Alors donc dde c'est à quoi est égal? Donc est le travail d'ielga les forces, c'est quoi? On dit c'est le travail des forces conservatives plus le travail des forces non conservatif. Or, oh, les, -conserv les forces conservatives, leur travail ne dépend pas du chemin suivi. Ou, ouais, est force, le travail d'elle ne dépend pas du chemin suivi. On peut écrire à le travail sur la forme de moins D de quelque chose. Ou, ouais, avec quelque chose, c'est qu'on voit l'énergie potentielle. Donc, le travail d'elle FC, nous un qui moins DEC, le moins DEP, l'énergie potentielle, plus le travail des forces non conservative. Donc un diède linéaire, c'est D de la somme, EC plus EP, est égal au travail des forces non conservatives. Or la somme c'est l'énergie mécanique. Donc finalement DEM est égal c'est le travail des forces non conservatives. Donc c'est la forme infinitésimale. D'accord, donc elle dit c'est la forme infinitésimale, ou bien on peut utiliser la forme intégrale, Si on intègre, donc elle a tenu delta em, l'intégrale de em c'est delta em, et le travail, donc elle a tenu le travail total des forces non conservatives. Énoncé Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie mécanique, la variation de l'énergie mécanique entre deux instants est égale au travail de la résultante des forces non conservatives entre ces instants. D'accord Donc, delta EM est égal, c'est le travail de toutes les forces non conservatives. Alors, troisièmement, intégrale premier de l'énergie. Alors, l'intégrale premier de l'énergie, si le travail des forces non conservatives est égal à 0. Donc, il m'indique les forces non conservatives. D'accord Mais il indique. A de la force des forces non conservatives, voilà que le travail est égal à 0. Donc si le travail des forces non conservatives est égal à 0, donc la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, c'est une constante. L'énergie mécanique ne varie pas. Donc chez Lh delta em est égal à 0. Donc EM est égal à constante. Dans ce cas, on parle de l'intégrale première de l'énergie. Donc, dans ce cas, on dit que l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle et inversement, c'est-à-dire que l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Donc, la EC va se je EP, dire la somme est égale constante. Et la dit de l'énergie cinétique va l'énergie potentielle, tout simplement. Donc, dernier paragraphe, il y a l'équilibre d'un point matériel dans un champ de force Conservatif. Donc, la du paragraphe, c'est le mot qui va les positions d'équilibre. Donc, la détermination des positions d'équilibre et leur stabilité. La position d'équilibre est stable, instable, etc. Alors, condition d'équilibre. On dit qu'il y a équilibre en x est égal à xe Donc, on dit qu'il est fois de la position. Il y a quand la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable, ou autre, dit bah, que la position est égal à 0 ou là autrement dit pour déterminer les positions d'équilibre qu'on a l'expression de l'énergie potentielle. D'accord? Aucun dérivé avec l'énergie potentielle par rapport à la variable dont dépend l'énergie potentielle. Si l'énergie potentielle dépend de x, on dérive par rapport à x. Si l'énergie potentielle dépend de θ, on dérive par rapport à theta. Vous dire dérivé la dérivée est égal à zéro. Quand je chauffe les cas, nous l'équation tout simplement. Donc, on a les positions d'équilibre. Et la stabilité de la position d'équilibre, on calcule la dérivée seconde, d'accord Donc, on a, le critère, on a dire la position d'équilibre, XE1, XE2, XE3, etc., jusqu'à XEN. Alors, on a XEI est stable instable, on a dérive l'énergie potentielle une deuxième fois, d'accord Donc, on calcule la dérivée seconde. Puis, on remplace dans l'expression les dérivées secondes, on remplace par la position d'équilibre. Si on trouve une valeur positive, dans ce cas la position d'équilibre est stable. Si on trouve une valeur négative, dans ce cas la position d'équilibre est instable. je vais vous fais des exemples. Exemple. En ardo maintenant l'expression de l'énergie potentielle qui est a facteur de x moins x e au carré plus b avec a négatif. D'accord Donc la représentation graphique de l'énergie potentielle en fonction de x, donc il abrite les positions d'équilibre. On calcule la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable liée x. D'accord Donc la dérivée de B, constante, c'est 0. Donc c'est 2A facteur de x moins xE. Donc il abrite les positions d'équilibre. la dérivée est égale à 0. Alors quand est-ce que la dérivée est égale à 0 Si x est égale x xE. Donc x est égale x xE. C'est-à-dire que xE ici, c'est une position qui est. Et C'est une position d'équilibre. Alors, d'abord, la position d'équilibre, ou est stable ou instable Alors, on calcule la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x, carré, à quoi est égale Donc, elle dit la dérivée première, qu'elle a fait 2a facteur de x moins xe. Donc, elle abrite la dérivée seconde. Donc, 2a, c'est une constante, entre j'aime la dérivée. Puis, la dérivée de x moins xe. Donc, xe, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc, on trouve 2a. Alors, sachant que A, ah, le signe de A, il est négatif, c'est-à-dire que là, la dérivée seconde, elle est négative. D'accord Ou là, quand la dérivée seconde est négative, c'est-à-dire que la position d'équilibre, elle est instable. Dans ce cas, c'est-à-dire que XE, c'est une position, position d'équilibre instable. D'accord Alors, nous de la situation L'expression a est un facteur de x moins x e au carré plus b. Avec a, cette fois-ci, on euh, a un a positif. D'accord Donc, en a on a un tableau a positif. Donc, je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner le petit peu cours. Je vais vous donner le cours peu de cours. PDF. vais vous donner un petit peu de PDF. Vous voyez que les erreurs de faute de frappe, vous pouvez corriger. Alors, on calcule pour déterminer la position d'équilibre. Donc, on calcule la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable. Donc, on a 9 expressions. Donc, c'est 2A facteur de x moins xe. La dérivée est égale à 0. Donc, on trouve que x est égale à xe. C'est-à-dire que xe, c'est une position. D'équilibre. Alors, stable ou bien instable, donc on calcule la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x carré, donc qui est égal à 2a. D'abord, a indi positif, donc il a quand a positif, c'est-à-dire que euh, donc xe, de la position d'équilibre stable. D'accord donc, position d'équilibre stable. Conclusion. Alors, si XE est une position d'équilibre stable, l'énergie potentielle est minimale en XE. Et si XE est une position d'équilibre instable, l'énergie potentielle est maximale en XE. Donc, là, la remarque dire je a l'énergie potentielle est maximale en XE. on XE, c'est une position d'équilibre. Il y a une. Et le graphe de l'EP en fonction de X. Par exemple,

correspond à une position d'équilibre c'est-à-dire que la position li en diaia hadi ra position d'équilibre xe1 حتى هنايا فين minimum c'est aussi c'est une position d'équilibre xe2 و حتى هادي c'est une troisième position d'équilibre donc les minimum et les maximum de l'énergie potentielle correspondent à des positions d'équilibre alors d'abord euh, il y a le maximum ila kan position d'équilibre هنايا maximum فهاد الحالة كاتكون la position d'équilibre elle instable et là, y minimum, la position d'équilibre, elle est stable. Elle de ben a dit deux maximum, donc les deux positions d'équilibre sont des positions d'équilibre instables. ou elle a minimale, -à la position l'énergie potentielle minimale, c'est-à-dire que à la position d'équilibre, elle est stable. Donc elle dit instable, elle dit stable, ou elle a instable.

stable et une fois qu'elle va qu'elle la position du point matériel ou qu'elle bouge qu'elle le bouge etc elle ne peut plus rester à la même position donc de la position elle est stable par contre elle a dit la, la position instable une fois qu'on éloigne le point M euh, de sa position d'équilibre elle s'éloigne indéfiniment Il a dit que la position est qu'elle ne dans ce cas on parle d'une position d'équilibre instable donc maintenant qu'est-ce qu'on sait dans le chapitre 3A. Donc, les bras, la suite, et toi, s'il te le numéro, je la description WhatsApp.